Ça m'a interrompu, Frankston. Ronron, à vous de jouer. Ouais. À vous de jouer, Attends, Ronron. je vais essayer la manette, mais je crois pas. Non. Ok, bah c'est bon, j'ai compris, je joue au clavier. En fait, ça fonctionne qu'avec une seule manette et Ouais. en local. C'est pour ça qu'en fait, faut se passer la manette. C'est vrai. Bah attends, je t'envoie ma manette. Vas-y. Non, mec, on n'a pas le souci là sur les dagues qui tuent et tout. Non, parce que c'est bien pensé. C'est parce qu'il y a le Steam Together. Oui. Bon, là, je connais pas. Hein. Là, c'est totale découverte avec toi. Allez. Qui dort habillé déjà? Oui, j'avoue. Qui dort habillé avec son impère et ses bottes et ses... J'ai surtout le jean. Je pense que le pire, c'est le jean. C'est les fins de soirée, ça, arraché, t'as pas le temps de te déshabiller, tu tombes sur ton lit. Wesh. Ouais, en Je crois plus, si qu'elle est tu vois ça, pas. Ouais, t'es je pense vraiment pas qu'elle est défoncé. totalement réveillée là. Attends, par contre, j'ai une sensibilité de bâtard. Alors, petite visite du mobilier. Je Oh, sais les pas. sous, là. Maintenant. Fait peur. Ouais, un peu forcé le sourire. Hein. Y a un truc là ici, non? Je bois du vide. Respecter, c'est un peu folklore hein, quand même. Tu vois ma souris se balader? Non, je vois pas ta souris. Ah. Bah, il y a une belle souris qui se balade, hein, t'inquiète pas. Bon, bah, on s'en va du coup. Maman? Oh non! Oh non, ça, je pense que c'était, tu sais, genre les boucles. Ah Tu vois ouvrir la porte oui. et tout là. Oh, c'est bien Ouais, un truc que je déteste tu dans les bien. jeux. On va revoir le même. Le truc. Y a rien qui va. Bah ouais, voilà, tu vois. J'avais raison, on va revoir le même. Rien Je vais qui ouvrir va. la porte là, je vais revoir ma mère ouvrir la. Ah, c'est un peu plus. Un peu plus dark. Ouais. Quoi? Ah, c'est à l'envers. C'est bon, ils ont déjà niqué mon cerveau là. Oh vas-y, elle me casse les couilles. Hein. Je vais aller à l'envers, peut-être je la verrai. Attends, peut-être fallait regarder. Ah ouais! Oh, j'aurais dû regarder l'autre cas là. J'aurais dû regarder le cadre là-bas. Attends, il est trop loin, la flemme. Ah, enfin du changement. Je suis l'enfer en fait. J'ai peur. Par contre, moi, voilà, touche d'action. Alors, je sais pas si ça sera l'espace pour les QTE, comment je cours? T'es mort, numéro? Non, Ah. je suis dans le... Je trouvais que tu m'avais déjà laissé tomber, putain. Je suis dans l'ambiance là. Il y a The Grudge qui va sortir ou The Ring là, je sais plus qui. J'avoue, faire... Qu'est-ce qu'il va faire? Oula, je sens pas la tête de la mère, je sais pas pourquoi. Ouais, je vais avoir une tête bizarre. Ouais, très bizarre même.
Wow. Comme dans le jeu. Je vais faire des cauchemars. J'ai mis un cauchemar cette nuit. Finalement, j'étais dans l'avion. Et finalement, je suis encore dans un rêve. Tu sais, c'est une Inception en fait. Rêveception. Hop. C'est un rêve d'un rêve. Et là, on est dans Destination Finale 1. L'avion va se cracher. Fallait pas sortir dans l'avion. Bah, si, il fallait sortir du coup. C'est vrai. C'est sympa, t'es avec. Oui. Nume, à vous de jouer. Non. Oh, c'est le début. Ah tiens, la célèbre musique de début. Ils ont repris ça des Dark Pictures. Ah, ah. Non, c'est une musique qu'on connaît, celle-là. Ça sent le droit d'auteur, ça. Vu qui c'est qui chante ça. Tu la connais, t'inquiète pas. Enfin. Ah. C'est juste elle était un peu remixée pour le jeu, quoi, mais tu la connais. De rester sur la bonne voie. Et là, c'est la gauche, la bonne voie, pas la droite. Bon, quelle idée déjà de regarder un truc à côté. Ah, arrêtez-vous. Oula. Hop, écrasé. C'est quoi, un autostoppeur? Jamais de la live, je m'arrête ici. Vas-y. Ma mère. Et je roule, roule, roule. Salut. Ah bah on a perdu un perso peut-être. Ah oui. C'était le perso à qui? Le tien, je crois. Regarde la route, Maddy. Que du coup c'est ta session. Et que elles sont toutes les deux ensemble. Ouais, c'est vrai que pour développer les relations entre les persos, c'est peut-être pas le bon choix tout au début. Bon, on y est. Toujours une histoire de grosse baraque un peu. Oh ouais, là c'est vraiment... In the House of Darkness. Grand manoir 2024. Gérant manoir. C'est à quoi quand ça me fait penser à un truc comme ça? Ça me fait penser à Antise, le film. Genre sur le mec, tout le monde va se regrouper ici au manoir. Oh bah oui. Putain, mon pense à Antis. Il y a un grand escalier avec un tableau chelou en haut. Sonnette flippante. Je jure. Bon signe. Eh oh, je suis là. J'y crois pas, j'ai fait tout ce trajet et y'a personne. Ouvrez-moi, s'il vous plaît! Eh oh! Oh, ça s'invite. Bon, j'annonce, elle est morte. Direct. Y'a personne! Je crois qu'il y avait des gros doigts crochus derrière là. Je vais jeter un œil, voir si je peux trouver quelqu'un. Je vais bien visiter. Hein. Bon, imagine, c'est full ouvert partout. Hein. Je peux tourner. Oh, j'ai trouvé un truc. Wow. Vas-y, un badge. Non, c'est ah, pour ranger nos badges. C'est pour ta collection de badges. J'ai peur, hein. Ah, imagine, on regarde des tableaux et il y a les yeux qui bougent. Ah, je trouve la touche pour courir. Ouais, elle court chelou, par contre.
Elle a la crotte au cul. Il doit bien y avoir quelqu'un. Eh oh! Attends, le sel du milieu, c'est... Elle ressemble pas à la vieille qu'on a croisée. Celle du milieu, là. Bon, la plus jeune, quoi. Attends, je vais aller voir là-bas. Bon, oh là là, ça doit être ici. Oh là là, je peux ouvrir plein de portes. Ah bah non, c'est fermé. J'imagine qu'il y a personne par ici. Bonjour, une autre victime. Bonjour, et une victime? Un brin d'humour noir britannique. Ah, t'es anglais? Non, mais un moment dans une charmante villa campagnarde comme celle-ci, et c'est tout comme. Toutes mes excuses, où avais-je donc la tête? Mon nom est Stan, et tu es? Maddy. Eh bien, enchanté, Maddy. Un diminutif de Madeleine? Madison, en fait. Oh, je vois, comme l'avenue. Comme... Oh, à New York. La plus belle ville du monde. Tu connais? Ah, oh, ouais, c'est là que je vis. Enfin, c'est là que je vivais. Mais maintenant, ce serait plutôt Berlin. Enfin, j'étudie à Berlin. Alors, techniquement, j'en suis pas citoyenne ou autre. Et New York, c'est toujours un peu chez moi. Parce que, bon, c'est New York City, quoi. Et puis, comme on dit, on est New-Yorkais pour la vie, hein? Eh bien, Madison Avenue, maintenant que te voilà, la fête peut enfin commencer. Eh ben, tu parles d'une fête. À qui le dis-tu? Ça fait longtemps que tu attends ici. Je vais mettre ça. Ça fait longtemps que t'attends ici? Plus qu'une minute, moins qu'une vie. Et c'est wow. Long. Ça en a déjà le mec relou, lui. Ouais, il y a toujours un relou dans le groupe. La porte d'entrée était déverrouillée, mais alors j'ai fait un tour et pris mes aises. Jusqu'à trouver comment vraiment me mettre à l'aise. Et c'est pas un peu étrange que personne soit là? On a bien été invités, non? Ah oui. Eh bien, on pourrait écrire un livre sur les insondables complexités de l'hospitalité anglaise. Plusieurs l'ont fait, d'ailleurs. Oh. Oh bah tiens. Hey. Linda Castle. Je suis honoré. Non, ému de faire votre connaissance. Ça va pas trop coller entre nous deux. C'est un immense plaisir que d'être en votre présence. Ok. Eh bah, de même. C'est pas tous les jours qu'on rencontre un de ses réalisateurs préférés de films d'horreur et qu'on a l'honneur de lui serrer la main. Je serais arrivée plus tôt, mais ma voiture est tombée en panne et personne ne m'a prise en stop. Oh, merde. Je suis navrée. Vous savez quoi? C'est rien. J'avais besoin de marcher. Attends. T'es en train de dire que tu as vu Linda Castle sur le bas-côté et que tu ne t'es pas arrêtée? Ouais. C'est la réalisatrice de Ma mère, mon père, mon sang. Nyakner. Ouais. Blade Skinner. Descendre, descendre, 25 décembre. Ben, j'avais aucune idée de qui c'était. C'est pas une excuse. Oh là là, je vais prendre quelqu'un en stop. Oh, je veux dire, je suis désolé, hein. Parce que ne jamais prendre quelqu'un en stop, déjà, ça met des piques. J'ignore ce qui s'est passé. Je crois que je suis un peu déphasée avec le voyage et j'ignore comment sont les gens par ici et... J'ai paniqué et ensuite je me suis sentie mal, mais après c'était trop tard et je pouvais plus faire marche arrière et... Et à ce moment-là, j'étais le problème de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Oui. Non, enfin... Ouais, peut-être. Vous n'êtes pas doué pour prendre des décisions sur le vif. Très peu de gens le sont. Yes. Ok. Peut-être que nickel. Notre test nous a laissé quelque chose. Yes, 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 là, c'est l'ambiance. Allez, ça faites, commence Stan bien. Oh, je ne vais c'est pas mes deux persos, ça. Super ambiance. De l'argent et des grosses voitures et des investissements.
Rien d'illégal, évidemment. Non, évidemment. Je vais voir tout de suite. Tiens, une affiche de film accrochée à l'intérieur. Bizarre. Intéressant. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Ça me rappelle quelque chose. Asieri Assassine. Eh, l'un de vous connaît Asieri Assassine ? J'hallucine. Tu plaisantes, hein ? Non. C'est ton perso, le mec, je pense, hein, non ? Il y a quelqu'un à qui ça dit quelque chose. Pas sûr. Non. C'est l'un des vôtres ? Un de mes tout premiers projets. Budget quasi inexistant. On n'avait aucune idée de ce qu'on faisait. Il n'aurait jamais dû paraître. Je le pense encore aujourd'hui. Pourquoi ? Eh ben, on est probablement allé trop loin. Il paraît qu'il n'a été projeté que très rarement, et qu'à chaque fois, le public aurait sombré dans une folie meurtrière. Non, non, voyons. N'essayez pas de le nier. Ce film est légendaire. Je pense que les gens étaient juste morts d'ennui. Écoutez, je suis sûr qu'ils vous ont fait signer plein d'accords de confidentialité, mais... Quoi ? Qui ? Le gouvernement ! Lorsqu'ils ont confisqué, détruit jusqu'à la dernière copie du film. Oh, redescendez sur Terre. J'ai entendu dire qu'ils en auraient gardé au moins une, au cas où. Et puis la CIA, ce laboratoire secret, l'Institut de la mémoire de Leri, où ils mènent leur interrogatoire poussé. Mais comment tu sais tout ça ? Je suis fan. Et c'est bien de savoir ce genre de choses. Bon, si c'est pas un de tes mecs à jouer, c'est bizarre. Est-ce que c'est une top ? Comme dans les films, genre Escape Game et tout, il y a toujours un mec dedans et il fait partie du truc. C'est normal tout ce boucan ? Je ne sais pas, mais j'adore cette mise en scène. Ah, excellent. Je vois que vous n'avez pas perdu de temps pour faire connaissance tous les trois. Je suis vraiment navrée de mon arrivée si tardive. Beaucoup d'affaires cruciales requièrent mon attention en ce moment. Et je m'en voudrais de ne pouvoir vous accorder toute mon attention, tant que nous sommes réunis. À propos, en parlant de besoin d'attention... Ah, vous voilà, sec. Nous devons arranger ça. Après tout, vous êtes un négociateur bien trop habile quand vous êtes sobre. Et vous devriez voir quand je ne le suis pas. Madison, aimeriez-vous aussi un rafraîchissement ? C'est juste Maddy. Mes excuses, Maddy donc. Oh, c'est rien. Maddy donc, dis-moi pas que c'est pas vrai. Ne soyez jamais gênés du nom que vous portez, votre nom et votre identité. C'est important de s'en souvenir. Et qui êtes-vous ? Je me nomme Augustine Lieber. Enchantée, Augustine Lieber. Les présentations étant faites, je dois de nouveau vous offrir un verre. Vas-y, je vais prendre un verre, moi je suis une folle. Allô ? Oh, je clique dessus. D'accord, oui. Je vais prendre la même chose que Stan. Bien sûr. Et vous ? Non, merci. Je pense que ça vous plairait. J'ai jamais bu un verre de ma vie. Je ne vais pas commencer maintenant. Ça a l'air d'être des persos ultra relous, chacun d'entre eux. Je sais que vous avez fait un long voyage pour être là aujourd'hui. J'espère que vous trouverez que cela en valait la peine, malgré tout. Ça dépend de vous, maintenant. Non ? J'imagine que oui. Je vous montre le mien, si vous me montrez le vôtre. Vous êtes bien pressé. Un peu de tenue, Monsieur Stanford. N'oubliez pas les autres. Votre verre. Merci. Bizarre. Ouais, tu bois ça comme Est-ce ça. Est-ce que ça va ? Non, mais c'est le même verre qu'il y avait à côté de son lit. C'est rien. Oui, 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 c'est vrai que c'est... peut-être un signe. Venez-en, en fait, Augustine. Je ne suis pas venu ici pour prendre un verre. Y a quoi là-dedans ? Écoutez, j'ignore ce que vous êtes venu lui vendre, mais... il se trouve que je détiens un des objets cinématographiques les plus rares et les plus recherchés du marché. Voilà, vous avez devant vous le seul et unique fragment subsistant de la pellicule originale du film Asieri Assassine. La première œuvre connue d'une certaine créatrice renommée. Paraît-il. Ça devrait valoir une petite fortune. À ce qu'on dit. Navré de briser vos illusions.
Oh, mince. Bon, j'imagine qu'on va faire une croix sur son côté unique. Pas tout à fait. J'ai jamais su d'où ça venait, en fait. Vous m'aviez dit que je devais vous amener ceci en personne, si je voulais... Je tiendrai toutes mes promesses envers vous. Chacun de vous. Il y avait une bande aussi, là, de films, non? Et si je refuse de vendre? Ma foi, ce serait votre choix. Mais après 40 ans de douleur, peut-être tenté par le repos. Veuillez m'excuser à nouveau, mais des affaires urgentes m'attendent dans mon reliquaire privé. N'hésitez pas à continuer de faire comme chez vous jusqu'à mon retour. Je pense que nous devrions finir de discuter chaque chose en son temps, Madame Castle. Nous étions si près. Je pouvais sentir la force de l'entité, son pouvoir palpitant à travers la Syrie. Jusqu'à ce que Sam Green gâche tout par son acte de bravoure insignifiant. Le rituel interrompu, ma clé mutilée. Mais Frank Stone ne mourut pas cette nuit-là. Son essence fut piégée dans les fondations de la Syrie. Un cauchemar sans fin. Je devais trouver les moyens adéquats de le réveiller. Sinon, ça paraissait trop simple. On avait déjà fini le jeu.